Je me trouve ici au cœur de la place du Mont, entre les chalets, les fameux chalets, et le traditionnel chapiteau, qui est toujours bien là. Mais donc, ces chalets, vous l'avez évoqué, c'est effectivement la grande nouveauté de ce marché de Noël ici à Woluwe-Saint-Pierre, un marché qui, pour l'occasion, a été rebaptisé le Christmas Festival. Alors, dans ces chalets, on retrouve les produits traditionnels, des accessoires, des petits cadeaux. L'accent a été mis sur la décoration de table ici à Woluwe-Saint-Pierre. Mais moi, fait du hasard ou pas, je suis au milieu d'une place où on ne trouve que de quoi s'abreuver et de quoi manger. Et à ma droite, ici, on fait du vin chaud. Et je vous propose de découvrir en direct le vin chaud de la place du Mont cette saison. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit verre de vin chaud? Voilà, alors on regarde comment monsieur nous prépare notre goulet. Alors, est-ce que votre vin chaud a une particularité? C'est un vin chaud avec un mélange d'épices, plus une petite touche personnelle. Vous êtes tous invités à venir le goûter. Et c'est quoi la touche personnelle? Ça, c'est un secret maison. On va goûter votre secret, merci. Et puis alors, de l'autre côté se trouve la fameuse crêperie. Bah oui, qui dit marché de Noël, dit forcément crêperie. Alors, bonjour, c'est la première fois qu'il y a ces chalets. C'est la première fois que vous venez ici sur la place du Mont? Oui, tout à fait. C'est une première pour nous. Et pourquoi êtes-vous venu? En fait, nous connaissons les organisateurs depuis quelques années, travaillant avec eux. Et donc, ils nous ont proposé de venir nous installer ici avec les crêpes sucrées salées, le vin chaud, l'Irish et tout ça. Si j'ai bien compris, on a un peu discuté avant. Vous, c'est plutôt l'été que vous travaillez. Pourquoi avoir accepté de travailler l'hiver? Pour le plaisir de venir découvrir ce marché de Noël qui a une très bonne réputation. Donc, on voulait quand même venir voir. Voilà. Vous avez déjà travaillé sur d'autres marchés de Noël? Marché de Noël de Boisfort, qui était avant sur Uccle. On a fait Aspa à un moment donné. Voilà, sinon pas trop. C'est vrai que c'est plus en été, dans les festivals de musique et tout ça. D'accord. Qu'est-ce que vous en attendez de ce marché-ci? Oh, plein de contacts, plein de noms, l'ambiance et que tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'était Fanny, dont c'est effectivement la profession de faire des marchés de manière nomade. Voilà, ce marché, donc, ici sur la place du Mont, durera jusque dimanche. Et si vous aussi, vous voulez venir goûter le vin chaud, eh bien, je vous conseille de venir y faire un tour. L'inauguration, c'est à 19h. Santé.